Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Max et Moulin, on se retrouve pour la suite de James Bond. Ah, je suis sûr que vous êtes contents. Non ? Allez vous faire foutre. Hein. Allez. Des nouvelles ? Bond est sur le toit du musée des sciences. Il vient juste d'entrer. Et Dimitrios ? Toutes les données confirment les dires de Bond. Dimitrios était en contact avec le fabricant de bombes à la télescope. Dimitrios n'a pas besoin d'un fabricant de bombes. Il trafique des armes et travaille comme intermédiaire. Il vient d'arriver à Miami en provenance des Bahamas. Il a défini lequel de ses associés était là-bas en temps. Devinez qui j'ai trouvé. Votre financier préféré. Donc vous pensez que Dimitrios travaille comme intermédiaire pour le sud? J'y ai pensé. Mais pourquoi un banquier engagerait un fabricant de bombes? Ça, c'est à Bond de le détecter. Peut-être que Dimitrios lui parlera ce soir. Ouais. Bond, cet hélicoptère qui s'est écrasé, c'était vous. Bon travail. Très bien. Feriez-vous un chemin jusqu'à l'autre côté du hall principal? Je crois qu'il y a des passerelles que vous pourrez emprunter. T'es sûr que mon travail, je croyais que t'avais dit que je devais la jouer en finesse pour pas qu'on me remarque. Je viens juste un peu de faire le contraire. Descends à la passerelle 3, il faut relever Salter. J'y vais, ah, un téléphone. Alors voilà, ouais, je prends tout mon temps. Attends, il est où le téléphone? Ah, il est là. Alors, briefing. Non. Une mission de chasseur de musiciens, ce que vous êtes tout pour aller, les gamins. Déjà qu'un important constatant d'homme bien équipé, son invité doit arriver d'ici peu. Nous avons seulement qui s'appelle Carlos, mais vous approchez du pour nous le confirmer. Ils doivent probablement se rencontrer dans le grand hall. Par conséquent, rendez-vous au centre de sécurité, pirater les caméras de surveillance pour obtenir une visibilité maximale du rendez-vous. Dès que vous aurez recueilli suffisamment d'informations, appréhendez Dimitrios. Tanner. C'est pas ce qui se passe hein, dans le film, hein. Enfin, il l'appréhende d'une autre façon. Ouais. Miguel vérifie que tu as bien crypté les deux portes de la passerelle avec le code que je t'ai envoyé. Ouais, bah Miguel, il fait pas bien son travail, hein. Hein, n'est-ce pas, Miguel? Mais... ah, qu'est-ce que c'est que ce boulot, là? Bah... oh, putain. C'est pas moi. À la discrétion. C'est pas moi! Mais non! Ouais. On est super infiltration là, moi je vous le dis. Bon, oh, et puis merde, hein, de toute façon ils m'ont gaulé, alors pourquoi continuer à faire des... yeah, j'en ai eu un. Yeah, j'en ai eu un deuxième. Et yeah, j'en ai eu un troisième. Bon, bref. Quintess, quelle est ta position? Salter t'attend toujours. Machin, il est un peu occupé, là. La dernière fois, il était dans l'escalier qui mène au toit. Terminé. Alors, c'est l'heure de faire infiltration! Ah, c'est ça la porte que. Ouais, qu'il a verrouillée. Ouais. Oh, il était simple celui-là. D'accord, je suis en route, terminé. Oui, t'as entendu? On y va. À tous les groupes, on a un intrus sur les passerelles. Groupe des passerelles. Faites attention aux trous dans la rambarde près des extincteurs automatiques sur le grand hall. Je répète, la rambarde est cassée. Faites attention. Terminé. Ouais, bon, faisons gaffe quand même. Ouais, c'est prudent de regarder un message comme ça. Alors, bande de cons, alors, le mec qui est pas caché. Mec. Excusez-moi de vous dire, mais vous êtes pas caché, les gars. Je vous vois. Alors les gars,
On a la classe ou on l'a pas, hein. En l'occurrence, vous faites partie de la deuxième classe. Ha ha ha, blague. Et Mouloud ? Mouloud ? Mouloud ! C'est quoi ça ? C'est une poubelle, non. Si je me mets à flinguer les poubelles, ça va pas aller. Putain, je cours comme un gros balourd. Oh, je peux même pas sauter, tu te fous de moi. Et là, je peux sauter. J'ai rien compris. Ouais, c'est marrant. Plus sûr. Ouais. Oh. Ouais, bon, je crois qu'ils vont bien. Ah, bah, enfin, voilà. Vous dormez? Ouais, d'où la porte qui se ferme, là. Hein? Non, mais ça, je tolère pas. Je tolère pas, ça. Là, je tolère pas. Ah, je tolère pas. Alors, la brutique est mal cachée, encore une fois. Trouver le sous-sol. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc explosif. Oh, non. Si je tombe en bas, ça va ruiner ma réputation. Non, sérieusement, comment tu veux que je me calme avec un jeu aussi mal foutu? Bon. C'est bon? Bon, alors... Tiens, le truc est tombé ou je rêve? Non, il est là. Bon, en gros, je vous résume la situation. Alors, en gros, j'ai échoué alors que j'étais là. Ce qui fait qu'en gros, Bond, c'est très simple. Il a fait... Voilà. Non, mais... Et franchement, je peux mourir d'une façon normale parce que les seules fois où je meurs, mais c'est toujours de façon buggée et incohérente. Ah, ouais, notez, jusqu'à maintenant, je suis jamais mort normalement, hein. Hein, tué par des ennemis, c'est toujours de façon incohérente, comme là. C'est mon syndrome, je sais pas. Ouais. Ouais, aïe. Putain, j'ai cru qu'elle allait mourir. On n'est jamais sûr, il peut y avoir d'autres trucs. Ah oui, ma manette qui bug. Je sais pas. Et elle est la manette. Ok, les piles ça veut pas. Ah bah putain, ça, en tout cas c'est du niveau, hein. Moi je vous le dis. Hein. Bon bref. Bien, après le couloir, vous arriverez au PC de sécurité. Nous pensons que c'est leur centre de contrôle. Ah là, il peut y avoir des faux. Il y en aura même sûrement. Ah, je m'en doutais à la fin. Voilà. Ta gueule. Bon, vu qu'a priori c'est par là, je fouille quand même ici. Et Bond, c'est quand même un super mec qui sait pas ouvrir de porte. L'agent secret le plus pourri de la Grande-Bretagne. Ah putain, vivement les Kingsmen. Bon. Ok. Négatif, je crois que le problème est résolu. Je suis tes ordres. Désolé. Bon, j'avais pas vu qu'il y avait ce mec. Mais le mec, il y a du bruit derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il se retourne même pas. Gros débile, bon bref. Mais putain, c'est qu'il est con qu'il laisse leur téléphone traîner partout. C'est pas possible. Monsieur Dimitrios, voici une photo prise par notre drone de sécurité au musée des sciences. Confirme prendre le contrôle caméra de sécurité ne devrait pas poser de problème. Rivera. Eh ben ce Rivera, on entend beaucoup parler, hein. Mais c'est qui? C'est toi? Non, j'ai pas l'impression. Chut. Essayez de pas trop se faire remarquer. Oh, avec la petite musique derrière. C'est pour ça qu'on va prendre ça. Ah ouais, ok, il y a la lumière qui traverse le truc.
qui est tout à fait logique. On va essayer de pas la détruire. Hein? On n'alerte personne. Bah alors, qui c'est qui a foutu le coca? Tiens, boum! Vous avez vu, j'ai un blue jeans. Bon, bref. Alors, lui, c'est fait. Alors, il a des potes, l'autre, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un truc explosif. Non, je peux pas péter, moi. Allez, on va essayer quand même de faire un petit peu de discrétion. Okay, après, pourquoi il se lève, l'autre con, là? Il peut pas rester comme ça. Oh putain. Nickel. Ouais. Oh putain, évidemment, fallait qu'il y ait un mec là. Je sais d'où vous sortez vous là. Bon. Mais d'où ils sortent tous là? C'est pas bien de spawner, les gars. Évidemment, il fallait qu'un enculé comme toi, hein, c'était ton frère, hein, ton clone. Bon, attends. Et tiens, et je plaf, et voilà. Bon, on va quand même reprendre l'autre pistolet, vu que j'ai plus de munitions sur le super gros. Oui, là, c'est plus. En bref, j'étais en train de faire discret, vous voyez. Ouais. Bref. Où est le téléphone? Il y a un téléphone, là. Il est dans l'ascenseur? Faut croire. J'ai l'impression. Ah non, il y a. Fichier image, toutes les équipes privées. Encore lui! Utilisation du monde charge dans un souci de sécurité d'efficacité optimale à la réception des marchandises, l'accès au grand hall est limité. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'accéder au grand hall devront se référer au centre de sécurité et demander que le monde charge soit débloqué au bureau de commande. Ok, donc je suis pas autorisé à aller là-bas. Je pense que ça j'avais compris. De nouveau ça? Ok. J'adore, je le change pour finalement avoir des munitions. Ok, donc c'est à l'aéroport de Miami. Faut noter les gens. Ouais, ouais, ta gueule. Écoutez tous, problème de sécurité sur le toit et au sous-sol. Nous ah, c'est un ascenseur qui descend tout seul. La trentaine, armé et dangereux, position inconnue. Non, c'est toi Rivera? Espèce de... Oh putain. Bonjour, je suis votre nouveau voisin. On a un problème. Groupe du hall, je peux pas bloquer l'ascenseur. Le mec le plus naze du monde. Oh mon dieu, il y a du feu. Bonjour. J'ai un allié ou c'est juste quelqu'un qui s'en contrefiche des autres? Ah, c'est juste quelqu'un qui a l'air s'en contreficher des autres. Ta gueule, Rivera.
Non mais j'adore les mecs qui s'entretuent. Ouais ta gueule le mec, j'adore les mecs qui s'entretuent là. Groupe du grand hall, faites attention. L'éclairage au plafond est mal fixé. Tâchez si possible de ne pas rester en dessous. Oh j'ai dû en rater un en haut là. C'est pas le câble. Oh c'est bien avec un peu de chance j'arriverai à tous les avoir là. Ah là, c'est là. Alors la machine volante de Léonard Vinci est suspendue dans la salle d'exposition principale. La machine volante. On peut pas la péter. Oh. Là vous me décevez. Oh putain. Les moulots de numéro 2. Rachid, non? Quoi, je t'ai pas vu toi? Voilà, pam! Ça manquerait plus que tu écrases avec la chaussure aussi. Mieux vaut être mon allié que mon ennemi, hein. C'est bon? Ah! Ça devient non. Bonjour la machine volante. C'était super prévisible que t'ailles te planter, toi. Je me rappelais pas que ça se passait comme ça dans le film. Je me rappelais même pas que ce lieu était comme ça. Parce que pour moi, ça, c'était le truc où il y a beaucoup de monde, où le mec y va et où James le tue. Bon, bref. Bref. Merde, pas par là. Ouais, je vais monter, hein. Faut pas déconner, là. Non ? Allez, où ? Bonjour, l'hélico. Pourquoi il y a un hélico craché, là ? M'expliquer, là. Pas très bien compris. Ouah, non, c'est peut-être scripté. Faut peut-être vraiment que je les tue tous. Voilà, ça. Bonjour. Eh, vous avez pas dit au revoir. La phrase à la con. Bon alors les gars, je suis juste en train de tous vous tuer. Ça vous choque peut-être pas un peu là? Tiens. Allez, tiens, toi aussi, hein, vu que t'en veux aussi le moustachu, le barbu, là. Bref. C'est du bon travail, 007. Ah, y'a pas l'alarme qui sonne? Tu te fous de ma gueule.